Une vie dédiée à la cause féministe en Haïti. Femme pleine de vie et d'énergie, féministe et militante engagée dans la lutte pour le respect des droits humains et pour une société fondée sur la justice et l'équité. Femme déterminée et optimiste, elle est l'une des fondatrices de la SOFA, Solidarité Femmes Haïtiennes. Cette bio racontée rend hommage à l'engagement profond et aux réalisations d'Anne-Marie Cariolan, une pionnière dans la défense des droits des femmes en Haïti. Née en 1956, Anne-Marie Cariolan a poursuivi des études supérieures à l'Université d'État d'Haïti, où elle a obtenu un diplôme en sociologie, en sciences économiques et en linguistique. C'est pendant ces années universitaires qu'elle a commencé à s'intéresser activement aux questions de justice sociale, en particulier aux droits des femmes. Elle a été profondément influencée par les conditions difficiles auxquelles faisaient face les femmes haïtiennes. Dotée d'une sensibilité qu'elle ne manque pas de faire ressortir dans chaque action posée, Anne-Marie Cariolan s'est donnée sans aucune réserve dans la lutte pour les causes qu'elle estime justes et urgentes. Cariolan a consacré sa vie à la lutte pour les droits des femmes et contre les violences basées sur le genre. Elle a joué un rôle crucial dans la rédaction de plusieurs lois visant à protéger les droits des femmes en Haïti. Elle a travaillé sans relâche pour que les violences faites aux femmes soient reconnues comme crimes graves, nécessitant une action juridique et sociale appropriée. Son militantisme a contribué à l'établissement des structures de soutien et de protection pour les femmes victimes de violences. Le travail d'Anne-Marie Cariolan ne s'est pas limité aux frontières haïtiennes. Elle a également collaboré avec des organisations internationales pour renforcer le réseau de soutien aux femmes et échange des stratégies efficaces de lutte contre la violence basée sur le genre. Sa voix a été entendue sur les plateformes internationales où elle plaidait pour une prise de conscience globale des problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les femmes haïtiennes. Tragiquement, Anne-Marie Cariolan a perdu la vie lors du tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010 en Haïti. Sa mort a été une grande perte pour le mouvement féministe et les droits humains dans le pays. Cependant, son héritage perdure à travers les nombreuses vies qu'elle a touchées et les réformes qu'elle a aidé à mettre en place, les organisations qu'elle a fondées et les lois pour lesquelles elle s'est battue, continue d'inspirer et de protéger les femmes haïtiennes. Anne-Marie Cariolan reste une source d'inspiration pour les militantes féministes en Haïti et dans le monde entier. Sa vie et son œuvre illustrent la puissance de l'engagement pour les droits humains et l'impact durable qu'une seule personne peut avoir dans la lutte pour la justice et l'égalité.